on vous retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 17 août, on est samedi 17 août et il est très exactement 7h08 du matin. On s'est levé assez tôt parce qu'aujourd'hui on va faire Antelope Canyon Tour. D'ici qu'il faut être 1h30 à l'avance. Nous on savait pas ce que c'était avant de faire nos recherches pour venir ici aux États-Unis. Et du coup vous allez découvrir avec nous si vous connaissez pas. Aujourd'hui on est à Page, je vous mets sur la carte. Donc voilà, on va vous montrer quelques images un peu de Page. Let's go guys. Bon, salut mes petits choux, je suis allée voir pour notre réservation. Faut savoir qu'ici, donc on a payé déjà sur le site TripAdvisor ou je sais plus quoi pour le tour. Mais comme on va rentrer dans une réserve indienne, du coup il faut payer l'entrée de la réserve indienne. Et c'est 10$ par personne, donc ça fait 20$. Donc ça il faut le savoir. Ensuite, les sacs sont interdits. Enfin, on peut ramener caméra, téléphone et bouteille d'eau, mais pas de sac ou de petits sacs ou autre, donc voilà. Let's go pour le tour. Bon, ça y est mes petits choux, on sort de Antelope Canyon et comment vous dire, c'était oh my god, c'était trop bien. Wow. Notre guide, c'était le meilleur guide du monde. Il nous faisait des photos, alors il nous a appris à utiliser notre appareil photo iPhone parce que franchement nous on savait pas. En fait, comme en fait on est venu tôt, vous allez voir dans le vlog, c'était assez sombre au niveau voilà, mais c'était le moins cher, il n'y avait plus de place pour. Pour savoir que Antelope Canyon, c'est le meilleur moment, c'est quand c'est 11h midi pour qu'il y ait des faisceaux lumineux à l'intérieur. Mais là en fait, comme c'était super cher, il n'y avait plus de place, du coup on a pris très tôt le matin. Et donc on a été et on pensait voilà, ça allait être sombre et tout, on n'allait rien voir. Et en fait il nous a expliqué, il nous a trop bien expliqué, il nous a dit voilà le filtre à utiliser pour de l'iPhone et ça nous faisait des belles couleurs, vous allez voir. Il nous a expliqué comment ça s'est fait avec l'eau et tout. Franchement c'était trop bien et vous allez voir toutes les photos. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour voir toutes les photos que je mettrai parce que il nous en a fait plein de photos. Enfin, en plus c'est un bon guide et en plus il fait de très très belles photos. C'est un truc de ouf, donc du coup on lui a donné un bon pourboire. En fait les trois parcs qu'on a fait pour l'instant, le Grand Canyon, Monument Valley et Antelope Canyon, c'était vraiment top. Ouais. C'est vraiment à faire parce que c'était magnifique quoi. Et donc voilà, c'est parti. On va hors session Ben, let's go. Et en plus l'eau, on avait des bouteilles d'eau mais c'était chaud.
Du coup là on va passer dans un fast food avant de prendre la route. Et normalement on va passer sur le pont, un des ponts connus ici aux États-Unis. Un pont, comment s'appelle ce pont? Je sais pas, on va regarder comment il est, mais c'est un pont célèbre. Et avant d'aller à notre autre parc national, c'est Bryce Canyon. Donc c'est un autre truc, apparemment c'est vraiment le top celui-là. Donc on a trop hâte et on vous emmène avec nous comme d'hab. Regardez là-bas, genre il y a un P géant. Je sais pas si vous allez le voir. Non. Je sais pas pourquoi ils ont mis un P. Enfin, pour Page, je sais pas. Bon, ça y est, mes petits choux, on sort. On va goûter ça. Hein. Ça a l'air d'être un fast-food classique, mais on va goûter si c'est bon ou pas. Bon, mes petits choux, on mange dans la voiture cette fois-ci. Ça a l'air plutôt pas mal bon. Moi j'ai pris un truc au poulet. Du coup voilà, nos frites elles sont bonnes, plutôt pas mal bonnes. Bon, on a décidé de faire une petite pause juste ici devant le lac Powell. C'est plus parce que j'arrive pas à conduire. Pour qu'ils puissent manger. Regardez comme c'est beau. Direction Bryce Canyon. Go guys. À Bryce Canyon, on commence par le point Sunrise. On est en randonnée, c'est parti pour une petite randonnée de 2 heures je pense, Bryce Canyon, et on vous montre ces paysages. Waouh, c'est trop beau. Sommet, on a fait tout ça. Ça, si vous verrez bien, c'était vraiment magnifique. La dernière petite montée là, elle était hard, mais sinon ça allait. Et c'était vraiment trop bien. On vous conseille de faire. Hein? On valide? On valide. Nickel. Allez, let's go à l'hôtel maintenant. Le délire. Je crois que 2h45 de rando, ça le rend fou. Bon les petits choux, on est arrivé à l'hôtel, c'est le Quality Inn. Je sais pas si vous allez voir là-bas. Donc il est pas loin du Bryce Canyon. Et nous, on est juste ici. Donc c'est parti pour le room tour. Voici la vue de la chambre avec la porte. On a ici un micro-ondes, un frigidaire, ça c'est bien. On va mettre de l'eau froide. La télé, une grosse commode. Un bureau coiffeuse. Hi. Petite table, petite tabouret. Moi j'allais dire, mais la poubelle est déjà pleine, c'est normal. En fait, ils viennent jeter nos affaires. Voilà, et la douche. Hop. Ouais, c'est chaud, on revient du restaurant. Restaurant 5 étoiles. Non, je ne donnerais même pas une étoile. Ouais, non, parce que c'était vraiment, c'était pas terrible.
C'était vraiment un repas de cantine, quoi. Hein. C'est clair. Le truc qu'on mange à la cantine. Et en plus, on a payé cher. On a payé 58 dollars, les gars. Alors 58 dollars pour ce que c'est, le stambé. Ah ouais, pour ce que c'était, c'était. Même dans les fast-food, dans tous les fast-food qu'on a fait, on a mieux mangé que là, tu vois. Et pourtant, c'était 20 dollars. Alors là, c'était 58 dollars. Lui, il a pris une bière. Moi, j'ai pris un Fanta. Moi, je savais pas combien ça coûtait. 7 dollars. Bordel. Il est abusé, quoi. Une bière, 7 dollars. C'était pas terrible, la bière. C'était dégueulasse. Ouais, voilà. J'avais plus de Henkin. Ouais, mais ça, après, ils avaient fumé, en fait. Après, il y avait une famille qui avait demandé des desserts. Ouais, ils avaient plus grand chose. Enfin, bref. Et donc, du coup, on vous conseille pas. Nous, on a fait la facilité. On a été dans un restaurant qui est juste à côté de l'hôtel. Bah, le restaurant de l'hôtel, quoi. Mais alors, pas du tout, quoi. C'est Quality Inn. Quality Low. Donc, ouais, vaut mieux que vous allez manger dehors à l'extérieur. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y a une station pas loin normalement. Donc, ouais, si vous venez dans cet hôtel à Brest-Canyon, on vous conseille de manger ailleurs. Voilà. De toute façon, on vous a fait montrer les plats. Ouais, on vous a fait montrer les plats, pas comme ouf, toujours, hein. Mais c'était. Franchement. Le visuel a l'air d'être. Non, le visuel. Yeah, bon. Franchement, à la cantine. C'est dégueulasse. À la cantine, on mange mieux. Hein. Donc, voilà. On vous déconseille. 58. Et bon, il fallait bien qu'il y ait bien un premier repas aux États-Unis. En fait, c'est le premier repas aux États-Unis qu'on déteste, quoi. Sinon, tout le reste, on a aimé. Voilà, quoi. Bon, au moins, on vous dit la vérité, quoi. Oui, voilà. Faut dire quand c'est bon, il faut dire quand c'est pas bon. Voilà. Bon, du coup, voilà. On clôture le vlog. Ouais, on clôture le vlog ce jour. Je sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau des vlogs. Si je vous poste un vlog par jour ou si je vous fais un vlog de tous les canyons qu'on a fait, tout ça. Donc, c'est à voir. Donc, demain. Plein de choses à voir et demain on dort à Las Vegas. Donc restez bien connectés pour les vlogs à Las Vegas. Quoi? Moi je suis plus, je suis hors jeu. Il est en train de bailler, il a les yeux rouges. Donc voilà, après nos 2h45 de randonnée, on va se reposer ce soir. Et après demain, direction Zion Park et Las Vegas. Ciao mes petits choux, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si ça vous dit. Et nous on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Ciao.